Le rideau de fer est un mur qui représente la frontière symbolique entre l'Europe, les USA et les États européens, placée sous l'influence soviétique. Il est instauré par Winston Churchill lors de son discours à Fulton le 5 mars 1946. En Allemagne, il sépare la RFA, République fédérale allemande, et la RDA, République démocratique allemande. La décision de construire le rideau de fer a été prise par Joseph Staline et Nikita Khrushchev. Le rideau de fer est constitué de barbelés, de paillassons de clous, séparés de No Man's Land qui sont des terres sans hommes, zones inhabitées. Entre le mur de l'Est et le mur de l'Ouest, il y a des miradors qui servent à observer le passage des migrants de l'Est qui veulent aller vers l'Ouest. La section la mieux fortifiée était le mur de Berlin, ainsi que la ville de Moldareut. Les migrants de l'Est veulent aller vers l'Ouest car il y a très peu de commerce.